Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment améliorer votre arme spéciale en DCD thermophasé sur la map d'Imachine du zombie Cold War. Alors pour réaliser cette amélioration, il faudra déjà débloquer l'arme spéciale. Et ça tombe bien parce que j'ai fait un tuto que j'ai mis dans une playlist qui vous explique comment débloquer l'arme spéciale gratuitement. Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura la playlist avec tous les tutos de D-Machine. Alors quand vous avez l'arme spéciale pour l'améliorer, il va falloir que vous rentrez dans l'éther noir. Ensuite, quand vous êtes dans l'éther noir, vous allez devoir vous rendre au site du crash et en dessous du devant de l'avion, en apesanteur, il y aura un détonateur à récupérer. Donc récupérez-le et ensuite dirigez-vous au laboratoire d'armes. À cet endroit-là, vous allez devoir interagir avec la machine qui se trouve devant l'atout. Quand ceci est fait, dirigez-vous à l'étang et sur le camion, il y aura une caisse que vous allez pouvoir ouvrir. Et quand vous l'aurez ouverte, ben votre arme spéciale s'améliorera en DCD thermophasé. Alors l'amélioration de cette arme fait en sorte que vous avez 100 munitions dans le chargeur et elle tirera une boule élémentaire de feu. Après, je la trouve pas si efficace que ça, mais bon, c'est chacun son avis. Alors si maintenant vous voulez changer d'amélioration, vous pouvez retourner à la caisse qui se trouve à l'étang pour remettre l'amélioration dans la boîte et revenir sur votre arme principale si vous préférez. Ou changer avec une autre amélioration si vous avez débloqué les autres améliorations. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.